Regarde-moi ça. Il y a 2 ans, j'étais mignon. Et oui, tu rêves pas, tu me connais déjà peut-être pour mes milliers de vues au niveau de mes setups. Mais tu t'es pas abonné, alors n'hésite pas à le faire. Yo, 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 salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo demandée par des milliers, des centaines de milliers, de millions de personnes. Logique. Comme vous le savez, sur ma chaîne, j'ai fait quelques vidéos qui ont littéralement buzzé dans mon cerveau. Ils ont buzzé plus de 1 demi-million de vues grâce à mes vidéos setup. Et je vous en remercie d'avoir regardé. Mais moi aussi, je kiffe regarder des vidéos setup. Du coup, je comprends cet engouement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire mon setup, enfin ma vidéo setup. Car déjà de une, on va pas se mentir, elle a bien marché la dernière fois que je l'ai fait. Alors on va essayer de le refaire. Mais aussi parce que vraiment tout a changé comparé à la vidéo qui avait fait bientôt 300 000 vues d'il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, le 10 juin 2018. Elle cumule bientôt 270 000 vues, 10 000 likes. Alors vous êtes chaud ou pas? On va jouer. Est-ce que pour cette vidéo, je ne sais même pas si elle fera des vues, mais pourquoi pas tenter les 1500 pouces bleus, ok? Donc 1500 likes. Donc vas-y, mets ton petit pouce bleu. On fait péter le top tendance avec cette vidéo dans les vidéos setup. Je compte vraiment sur toi. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir sur mes petits réseaux sociaux, sur mon TikTok, le lien utip pour regarder des petites pubs gratuitement, sans inscription, sans numéro de téléphone, sans email. Juste tu claques ta pub de 30 secondes, ça me rapporte quelques centimes. Pour mon projet, ceux qui me connaissent pas, ils vont se demander ce que c'est. N'hésitez pas à aller voir, c'est en rapport avec l'airsoft. Voilà, ça fait toujours plaisir. Tu sais quoi, c'est une vidéo setup, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Et vous savez quoi, j'ai remis le même pull, enfin le même t-shirt qu'il y a 2 ans. C'est dingue, il me va encore. Et la même tenue. Voilà, donc on refait la même intro qu'il y a 2 ans. Yo, salut tout le monde, donc voilà, donc on commence mon setup par mes petites claquettes, voilà, qui n'ont pas changé. Ensuite, on commence là, et là tu te dis, merde, Léo, avant il y avait un grand setup en angle. Hop, je te montre pas plus, il y a le setup là, voilà. Je te montre pas, donc il y avait un gros bureau d'angle, voilà, avec tout mon setup. Maintenant ici, il y a... J'ai honte. Il y a tout ce qui est mes cours, voilà, donc mes cours. Il y a du matos vidéo, donc là on a des petits micros, voilà, des caches et tout pour la GoPro. Là on a du petit bordel, on va passer rapidement. Là il y a un bureau pour faire des devoirs, t'as capté, tu te mets là, tu fais tes devoirs tranquillement. Mais ce qui vous intéresse tous, c'est de voir le setup. Du coup, tu sais quoi, on va pas passer par 4 chemins. Mais on va passer par 3 chemins. Donc là on a tout simplement mon coin télé. Donc je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a quelques années il y avait encore mon lit qui était ici. Maintenant il n'y a plus rien, donc c'est vraiment un studio où je peux faire pleinement ce que j'ai envie. Donc vivre ma passion YouTube. Voilà. Donc bref, mon coin télé avec un petit canapé, tu te mets là, boum, petite manette, tchouk tchouk, boum boum. Ceux qui se demandent ce que c'est ça, bah c'est tout simplement que je voulais mettre mon panier de basket là pour lancer des boulettes pour qu'elles arrivent là, mais j'avais plus de patte à fixe. Du coup, je l'ai mis à un autre endroit. Quand même, je l'ai mis à un autre endroit. Là, si tu te déportes, tu as ma commode où il y a tous mes caleçons et tout. Bref, là, le petit canapé qui se déplie pour ramener des petites filles. Non, je rigole, c'est pour si jamais il y a quelqu'un qui veut venir dormir, vrap, et il vient faire dodo. Là, on a mon coin airsoft, donc avec ma petite réplique d'airsoft. Ma deuxième, non, je rigole, ça c'est un nerf. Hop, tac tac, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est tout mon équipement, vraiment mes chargeurs. Pourquoi j'ai ça? Bon, bah, j'avoue, je l'ai volé. Je l'avoue, je l'ai volé sur un terri, mais en vrai il me sert à tirer à l'airsoft. Donc en fait, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer. Oh, par contre, ouais, au niveau, il met là. Putain. Ah, voilà, donc c'est une cible. Je tire, ça récupère à l'intérieur du cône. Wow. Voilà, donc je tire, ça récupère à l'intérieur du cône. Voilà, c'est pour tirer à l'airsoft. Et là, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour passer à mon décor qui a littéralement changé d'il y a 2 ans? J'avais jamais tout ça, j'avais même pas de décor. Et là, il y a vraiment un décor que je trouve plutôt sympathique. Tadam! Voilà, tac tac. Donc je vais essayer de vous montrer ce qu'on voit sans vous montrer le setup, hein, le watch time et tout. Donc voilà, donc quand je me mets là, tac, ça fait ça, petit décor. Comme je viens de changer le setup, je ne sais pas si le décor va rester encore ici, mais pour l'instant il est là. Donc il se compose de quoi? D'une petite réplique d'airsoft M4. Voilà, de mon petit Kiki dans sa petite savane. Le loulou, il est bien dans sa petite savane. Voilà, petite lunette et tout, petit délire. Une bouteille d'alcool, je ne bois pas, c'est juste parce qu'elle est stylée, là, elle fait l'ambiance, t'as capté. Petite boîte de Yeezy Boost. Petite peluche. Donc, vous êtes prêts? Robert, Hervé, Johnny, pas Johnita, et lui c'est coin coin. Voilà. Là en dessous on a quelques bordels, voilà, une petite paire de chaussures, voilà, bref. On a Pascal, c'est Pascal mon zèbre, très docile. C'est bien Pascal, c'est bien. Voilà. Bref, on a ma petite machine à fumer, vous le savez. Pour tous les lives où LFB passe, je mets un peu de fumée. Il est passé 3 fois 3 vidéos sur sa chaîne. Eh mec, on peut dire que j'ai buzzé sur la chaîne d'LFB, moi. Hein. Voilà, un petit sac Lacoste. C'est pas pour moi la pétinérance parce que je savais pas quoi mettre. Là, on a mon petit passe-temps. Aïe, ah, j'ai envie de me cogner la tête. Putain, c'est horrible. Mon petit passe-temps favori. Hop, hop.
Voilà, tu fais quelques jonques sans essayer de tout casser, bref, je suis pas très fort. Hop, PQ challenge confinement. Non, 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 bah non. Allez, hop, tu vas là-bas. Bref, et là, il y a mon petit panier de basket. Donc là, en fait, tu fais hop, de la bobout, ça rentre, puis ça tombe. Bah, je voulais mettre un truc, mais du coup, j'en ai pas. Là, pour ceux qui se demandent, c'est quand je mange. En fait, je mange sur ça pour pas mettre de miettes sur mon bureau. Donc ouais, un petit tabouret pour si tu veux t'asseoir. Et là, il y a un moment, je peux plus vous faire attendre. Je suis obligé de vous montrer le setup. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Regarde-moi ça, le setup. Oh putain, c'est beau, c'est beau. Donc oui, voilà le beau setup. Non, là je rigole, c'est où il y a toutes mes enceintes, ma petite sonorisation, boum ampli, ça. Bref, on s'en fout. Je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. Et voici mon setup. Oh fucking, qu'est-ce que je l'aime, il est beau. Donc voilà. Oh putain, enfin qu'un vrai bureau les mecs. Ceux qui se demandent, vous devez connaître Arosy Arona. V2, bah ou Arosy, je sais pas. C'est le bureau, vous savez, avec le tapis de souris. Donc en mode, tu prends ta petite souris, boum boum. Pourquoi j'ai deux souris? Une pour aller sur l'ordinateur, une pour jouer à Fortnite. Donc pour jouer à Fortnite, c'est mon partenaire Clim. Donc toujours, ça change pas, ça fait 2 ans. Là, c'est mon autre partenaire Smart Esport. Voilà, boum boum boum. J'ai jamais fait de vidéo, tiens, d'ailleurs. Du coup, on passe directement à mes deux écrans. Donc vraiment, ça c'est la chose que je déteste dans mon setup. Parce que tout simplement, c'est pas des écrans 144, ouais, les mecs, les moyens de financement étaient pas là, donc c'est des 60. Donc là, on a un Acer, j'aurais pas la référence. C'est des 24, ils sont petits. En fait, avant, je disais qu'ils étaient grands sur mon ancien bureau parce que mon bureau était petit. Mais maintenant que mon bureau est grand, j'ai l'impression que mes écrans sont petits. Donc on verra par la suite. Donc là, Acer 60 Hz, enfin 75 Hz. Voilà, là, on a mon Asus 60 Hz avec 21 309 personnes. Oh, je vais pas te mentir, ça fait plaisir. Là, qu'est-ce qu'on a? On a mon MacBook, donc ça change pas. De la dernière vidéo, il était tout neuf, voilà. Donc petit MacBook Pro Retina 2015-2014, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Là, on a mon téléphone, hop, iPhone 11. Voilà ma petite moto, ma petite louloute, comment elle est belle. Bref, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Google. Ok, Google. Est-ce que je... Ok, Google. Est-ce que je suis beau? Vous êtes au top 365 jours par an, et c'est aussi le cas aujourd'hui. Et dans les années bisextiles, on fait comment? Bref, qu'est-ce qu'on a derrière qui est caché? Un petit peu de bordel. Ouh là là, mon péché mignon. Alors ça, les mecs. Gaufre fourré à la vanille. À la vanille, la gaufre waffle vanille. C'est vraiment très très bon dans mon ventre. Bref, là c'est un peu où je cache tous mes trucs. On a un câble Ethernet, ça... Putain, pour ceux qui ont des bagues, ça, c'est la anti, c'est les élastiques pour les bagues, les mecs, ma petite boîte d'AirPods, la télécommande pour les LED, une paire de ciseaux, bref, un peu tout le bordel. Au niveau des périphériques, comme je l'ai dit, j'ai les souris, j'ai mon Razer Ornata Chroma, je crois que c'est ça, V2. Donc voilà, toujours comme d'hab, dans chaque vidéo, on va remercier le mec qui me l'a offert. Merci Nathan de me l'avoir offert, tu vois, il est toujours là, frérot, il est toujours aussi nickel que quand tu me l'avais offert gentiment, voilà. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a là? On a toutes mes télécommandes. Donc quand il faut gérer, putain, ouais, ça vraiment, j'en ai beaucoup. Genre la 3, une qui est là-bas, une là et une là. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui est au niveau de mes éclairages. Donc, ah bah, c'est le mauvais bouton. Attends, c'est celui-là. Non, c'est celui-là, voilà. Donc hop, et là, hop, voilà. Donc deux petits éclairages, on transitionne direct avec ça. Deux softbox, une que j'ai enlevée pour faire plus une ambiance, enfin, une lumière homogène dans tout mon studio pour que vraiment ça éclaire tout. Voilà, bref, voilà, qu'est-ce que j'ai tout simplement? J'ai une tablette graphique, je vais pas te mentir, j'utilise pas souvent, ça m'est arrivé quelques fois, c'est parce que quand tu dois faire signer des papiers, des contrats, je ne sais quoi, sur l'ordi, bah comme j'ai pas de scanner ni d'imprimante, je la mets là, avec le petit stylo, je fais ma petite signature et je renvoie mon petit document. Là, on a quoi les mecs? Oh là là, le Saint Graal, le Febreze. Afin de sentir bon, voilà. Ouais, je le mets pas sur moi hein, quand même. Sur moi, je mets ça, les mecs. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai honte si vous l'avez vu. Donc voilà, donc dès que je sors de la douche, que je dois me préparer. Petit Axe Black, voilà, c'est caché derrière le setup, voilà. Petit exclu. Maintenant, vous allez le savoir qu'en live ou qu'en vidéo, il y a ça là. Après, on continue. Donc, ma petite paire de lunettes, une petite bombe lacrymogène. Là, au niveau du micro, on a quoi? On a mon Bird UM1, voilà, qui est recommandé par tout le monde. Je vais vous montrer vraiment, je l'ai cassé, voilà. En fait, c'est à force de mettre des patates dedans, vraiment quand je rage, je tape littéralement dedans et je le fracasse. Mais il marche toujours aussi bien. Quelques réglages avec une très très bonne application et il marche du tonnerre tout simplement. Au niveau toujours de l'audio, mon casque DT990 Pro, voilà, casque ouvert. Voilà, je trouve pas mal. Il t'englobe les oreilles, il faut. Voilà, casque ouvert par contre. Donc le son va sortir. Donc en mode, si je suis là,
que quelqu'un est là, il va m'entendre, tu vois. Il va entendre les gens qui sortent de là-dedans. Du coup, le bureau Arosi Arona. Putain, vous allez rien voir. Je vais vous faire ça et on transitionne. Transitionne toujours avec ma petite chaise. Qui est toujours là, après toutes ces années. Bon, certes, je l'aime plus trop, mais bon. Tant que ça fonctionne, petite chaise. Voilà. Boum, boum. Oh, putain, il est beau, ce setup. On peut faire une petite miniature comme ça en mode. Bref, vous êtes prêts, confinement? Cette vidéo n'aurait jamais attiré de filles. Va pas en attirer. En dessous du bureau. C'est pas moi qui passe souvent sous le bureau. On a quoi? On a de l'espace. C'est ça que je kiffe. Avant j'en avais pas, maintenant j'en ai. Là-bas, on a quoi? Une table de mixage. Donc vraiment, bah, j'utilise pour faire de la lumière parce qu'il y a de la lumière et que je peux plus pas l'utiliser à sa version de base. Pour ceux qui demandent, le bureau il se monte et il se descend comme ta grosse dard. Je rigole. Quand je disais que je prenais le plateau pour manger, je pose mon petit plateau, boum boum, je mange en regardant des petits trucs, et après je vais à la poubelle et je le vide, voilà. Là vous dites, putain Léo, câble management, c'est le bordel. Bon, t'as raison, mais attends, c'est pas parce que c'est le bordel que c'est pas pratique, parce que en fait c'est tout simplement ma station de charge. Donc en fait on a mon chargeur GoPro, donc je viens là et je calme mes batteries GoPro. Là on a mon chargeur pour la Canon, voilà, donc la caméra avec laquelle je filme, Canon G7X. Là on a mon Lumix pour tout simplement ma caméra de live, pour la recharger. Là on a une multiprise, voilà, avec des prises dispo par exemple pour mettre mon téléphone à charger, voilà, pendant que je joue, par exemple mon Mac. L'Apple Watch aussi que j'ai pas présenté, c'est l'Apple Watch série 3, parce qu'il y en a, ils veulent tout savoir sur ma vie, donc voilà, je vous montre tout. Donc quand je suis là en train de jouer, bah je suis là, hein, le bureau est tout neuf, vraiment, regardez. Et pour ceux qui demandent, on peut l'utiliser sans tapis. C'est juste qu'on va avoir les jointures comme ça là, donc voilà, c'est du bois, très très bonne qualité, vraiment je suis épaté. Et là, tout le monde se dit, oh Léo, t'as 20 000 abonnés, donc tu dois avoir un PC de ouf malade. Bah figure-toi qu'il est très bien, mais pas maintenant, pas maintenant. Et ça c'est le deuxième problème majeur, j'ai un autre problème majeur. Oh là là, quand je vais l'exposer mon problème majeur, vous allez péter un câble. Donc là, on a mon PC, ça doit faire bientôt... un an et demi, deux ans, je sais pas. 2018, je l'avais pas. 2019, je l'ai eu, donc ouais, deux ans. Putain, j'ai vachement un bouton, j'aurais pas dû faire cette vidéo aujourd'hui. Hein. Je pourrais pas pécho. Venez sur mon Instagram, Léo-du-bas-bgl. 4000 abonnés bientôt. Venez, les filles, les garçons, venez pas, je m'en fous. Bref, voilà mon PC, donc il y a quoi dedans? 1070 Ti, ou je ne sais plus, Ti 1070. Intel Core i5-6600K, qui est vraiment en train de lâcher quand je joue à Fortnite, il est utilisé à 100%. Du coup, s'il y en a qui s'y connaissent un peu dans les PC, dans les configurations des processeurs, dites-moi pourquoi il est utilisé à 100%, bref, je comprends pas. 16 Go de RAM, 1 Tera d'SSD et un SSD, donc 1 Tera normal. Et un SSD 256 ou 512, je ne sais plus trop. Sur dents plutôt. À dents par pour envers sur ta grosse. Ça part vraiment en couille. Avec un petit boîtier qui change pas, c'est le Corsair, je ne sais plus combien. Donc voilà, si vous voulez voir à l'intérieur, on va pas très voir grand chose. Ouais, petit ventilo. Boum boum. La petite bandelette que j'ai mal remise parce que je l'ai entretenu hier. Hier il est passé au tchic tchic tchic. Pour vraiment tout nettoyer, tout propre. Donc voilà, pour ceux qui me demandent la config, bah vous savez, 1500 balles et... Bah, elle commence à me décevoir, je sais pas. Peut-être falloir que je l'upgrade, peut-être le processeur, parce que maintenant qu'il utilise à 100%, peut-être qu'il rend l'âme tout simplement. Après, pour ceux qui m'ont demandé avec quoi je streaming, voilà. Donc, un petit Lumix, voilà, avec retour écran, que je branche. Comme ça, ça part de là. Tu cours. Oh putain. Là, les adeptes du câble management, ils vont crier au massacre. M'en voulez pas, le setup, il est tout nouveau. Vous m'avez demandé d'en faire un rapidement, je vous en ai fait un. Mais laissez-moi le temps d'acheter des Serflex, mais confinement. Donc, je peux pas. Donc, là, le Cam Link, il part de là. Hop, il vient se loger là. Donc ça, les mecs, 150€. Voilà, Cam Link pour pouvoir streamer avec ma caméra. Voilà, donc ce qui fait ça, en fait, ça donne ça. Et vraiment, ça marche pas. Je comprends pas pourquoi en ce moment ça veut pas marcher. Mais voilà, ça, le petit Cam Link. Je sais pas, dites-moi, j'arrive pas à le configurer. Ça a marché, maintenant ça marche plus. Voilà, peut-être le câble, j'en sais rien. Dites-moi, j'ai vraiment besoin d'aide. Et là, je vais vous exposer mon problème majeur. J'ai besoin d'aide. Vraiment, vraiment là, j'ai besoin d'aide. Vous êtes prêts? C'est ça. C'est ce signal rouge. Voilà. Qui me permet plus de live. Du coup, il me permet pas, il m'embête parce que maintenant je peux plus live. Vraiment, ma connexion, c'est du n'importe quoi. On va faire tout de suite ensemble, en direct, un test. Oklahoma, vous savez, le test speed test. Là, on va le faire ensemble. Et vous allez voir à quel point j'ai vraiment une connexion à chier par terre. Et c'est pour ça que je ne peux pas live.
tout simplement. Déjà, regarde le temps que ça met à charger. Speed test, il est même pas chargé là. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi, j'en peux plus. Donnez-moi s'il faut que j'achète un routeur, je sais pas. J'ai la fibre en fait au premier étage. Au deuxième étage, bah je l'ai plus. Et moi je suis au troisième donc je l'ai pas. Je suis par câble hein, quand même. C'est un récepteur wifi qui part en câble. Donc voilà, donc tout simplement on va le faire. Et on voit que j'ai, si tu veux bien frérot, voilà, je suis à 4. Donc là, s'il y en a qui savent, s'il y en a qui peuvent m'aider, parce que là, les mecs, je ne peux plus trop faire grand chose avec ça comme, comme connexion, donc vraiment, il faudrait m'aider. S'il y en a qui peuvent, parce que là, avoir une connexion pareille, c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est un récepteur Netgear. Donc là j'ai limite tous les jours j'ai envie de l'exploser. Je sais qu'il faut pas le mettre une multiprise comme ça, mais j'ai déjà essayé de faire autrement et ça augmente pas la connexion. Et de toute façon je suis obligé parce que le câble il part comme ça. Petite précision, j'ai commandé un câble Ethernet 5m 4.7, parce que là c'est un 4.5. Je viens d'apprendre qu'il y avait des catégories de câbles premium, enfin je sais pas, de dernière génération. Donc là je suis passé à la dernière, donc 4.7. Dites-moi si ça peut améliorer. De toute façon je vous le dirai, je le reçois mercredi. Oh shit. Ça c'est un problème, tu vois, c'est que je tape facilement dans mon décor. Mais sinon quand la chaise est rangée, ça prend pas trop de place frérot. Donc voilà, avec mon petit tapis. Voilà, boum boum. Voilà, donc franchement, je suis content. I like my setup. Donc là on a un thé, ouais, moi je fais de la sonorisation. Tu fous tes jeux de lumière, bah moi j'ai foutu mes softbox pour avoir un très très bon éclairage. Du coup voilà. Donc me voilà en position de jeu, donc quand je veux Fortnite, quand je veux live, je me mets là et je joue. Donc voilà, avec le, vraiment la souris qui peut faire tout le bureau, parce que tout est en fou tapis de souris, bref. Et qu'est-ce que c'est ça? C'était les supports pour mes, pour mon ancien setup. Du coup je vais vous montrer à quoi il sert. Parce que faut se muscler et tout, période de confinement. On va travailler les triceps je crois. Je sais pas ce qu'on va travailler. On se met comme ça les mecs. C'était Léo, j'espère que cette vidéo setup vous aura plu. Je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de likes. 1500 likes, on est des grands malades. Je fais jamais autant de likes, mais pourquoi pas aujourd'hui faire 1500 likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. À me noter sur 20 mon setup. Parce que là, faking, j'ai besoin de savoir si pour vous il vous convient, si pour vous il est beau. Donc mettez-moi une note sur 20 dans les commentaires. Critiquez si vous voulez. Au moins ça me permet d'évoluer. Enfin, si la critique est constructive, bien sûr, si t'es là pour m'insulter. Ouais, fils de riche, ouais, nanani, nanana. Sachez que j'ai payé tout grâce à YouTube, les mecs. Voilà. Donc je vous remercie. C'est grâce à vous que j'ai tout ça. Même si pour certains ça sera rien, mais pour moi c'est déjà énorme. Du coup voilà, je l'ai pas dit, en matériel vidéo ce que j'ai, c'est que j'ai une G7X, un Lumix, une GoPro Hero 8 Black avec tous ces accessoires pour mes vlogs moto, parce que je fais des vlogs moto. J'ai une Hero 5 Session pour les dual cam en moto. Voilà, j'ai une PS4, j'ai une Xbox, j'ai une Switch, j'ai une Wii, j'ai tout ça, mais j'ai ça je m'en sers pas vraiment pour YouTube quoi. Là c'est vraiment mon setup basé pour YouTube. Du coup j'attends avec impatience vos retours en commentaire. C'était Léo, on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ok, je vous lance dans le panier, on coupe la vidéo. Ciao ciao.